السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي هبونا ونكسن أخيرا تشرفت لي ملك استود الدنيا دافي قاعد كتشوكتان وحد كسر دواتان برنامج كيني إيه واتش كذا ما أنتوا حنيجي من يا بيبلوتيك ناسيونال كي يخشيف ناسيونال كا أيان ما أنتوا كسرنا هاي ما أنت برنامج شدي هرو كدوية برنامج كي جاي واتش كذا وحنا كدوية هاي مرتدى أيا أد علوس مرتدى وحنا وقت مدة ودن فوق أد بنوسو دويننا ومرتدى وحكي كويهين مجازل استيال قصليا يتشلا hadda waxaan doonayaa inaan nigu soo dhaweeyo madasha ku soo dhaweeyo luqadana waan bedeli doonaa daawasho wacan chers téléspectateurs téléspectatrices bonsoir nous recevons sur ce plateau trois humoristes pas comme les autres et hors du commun Sougué, Zeriki et Fati pour le rôle principal de la série Les Bobos d'Youf. Les Bobos d'Youf est une série télévisée humoristique écrite et réalisée par Patrick. Avec plus de 150 épisodes, la série Les Bobos d'Youf a été produite par la société Fram au Burkina Faso de 2000 à 2015. C'est la série télévisée la plus regardée en Afrique francophone. Elle a été réalisée à Bobo. Chers invités, bonsoir. Dois-je dire Sougué, Zeriki et Fati, bienvenue à Djibouti. Merci beaucoup. Salamu alaikum à tous, à toutes. Voilà, on est content. Voilà. Salam alaikum Djibouti. Alhamdulillah. Mon fils Hanhaï. Mon fils Han quoi? Hanhaï. Ah. Ça dit, je suis bien portant. Voilà. 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 Écoute. Ouais. Tu sais, nous sommes à l'émission Shekeda. 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 Ça veut dire quoi? Et ça veut dire. On va vous poser beaucoup de questions et vous allez répondre beaucoup. Et tu vas répondre effectivement à tes bêtises que tu aimes faire là. Mais quoi? C'est nous tous. Moi, c'est ça. Regardez. Elle profite de nous quand même, toi aussi. Non, toi, elle me disait aussi qu'elle est. Voilà. Voilà, avec la puissante animatrice. Là. Oui. Voilà. Non, elle est jolie mignonne. Elle est la jolie mignonne. Là. D'abord, laissez-moi vous dire, vous êtes très célèbre ici à Djibouti. J'étais fan de vous, petite, et je le suis toujours comme toutes mes compatriotes. Non, si on était petite. Non, si on était petite. Je suis très fière. En premier lieu, pourriez-vous brièvement vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices, si je commence à ma droite, Zeriki. Voilà. Chers téléspectateurs, moi je m'appelle Frédéric Sauré à l'état civil et le nom d'artiste est Zeriki. Et vous, Souké? Moi c'est Mahamadou Tiendebego alias Souké. Ainsi que Fati. Moi c'est Pauline Ouattara alias Fati Bobodiouf. Souké, comment est née l'envie de faire un spectacle à Djibouti et comment cela s'est concrétisé? D'abord, nous allons remercier la population de Djibouti. Ouais. Voilà, du sud au nord jusqu'à l'est et à l'ouest. Pour dire à quel point nous avons compris qu'ils étaient tellement amoureux de la série que nous avons choisi Djibouti pour nos 25 ans de carrière. C'est ça. Et profiter en même temps de dire aux gens que, sachez que ce n'est pas facile, hein? Pas facile. On nous avait proposé depuis fort longtemps. Ouais. Voilà, et surtout les jeunes d'ici avaient voulu vraiment absolument faire venir Zeriki, Fati et Souké. C'était un peu dur, mais ils ont dit les gars, nous on cherche pas l'argent, on veut juste faire plaisir à notre population. Pour leur dire qu'on est là, on veut qu'ils rigolent et ça va leur faire du bien. Ouais, parce que ouais. Comme on le dit, le rire est thérapeutique. C'est ça. Voilà. Alors donc, le deuxième pays, je pense, c'est. Qu'on a choisi, c'est Djibouti. C'est Djibouti. Et c'est avec un grand plaisir, voilà, que nous sommes là à Djibouti pour le spectacle, comme vous le savez. Machallah, nous on est fiers, on est très fiers, on vous accueille à bras ouverts. Vous rajoutez quelque chose, certains points, Zeriki? Oui, il a tout dit. On est fiers d'être ici parce que c'est pas aujourd'hui les Djiboutiens, ils étaient en contact avec nous, on s'appelait sur WhatsApp plusieurs fois. Donc vraiment, je suis content d'être ici aujourd'hui. Voilà.
Fati, depuis votre arrivée hier, qu'est-ce que vous avez découvert sur Djibouti et les Djiboutiennes? Oui, disons que depuis mon arrivée ici, j'ai remarqué plein de choses. J'ai constaté qu'il n'y a pas de différence au fait entre le Burkina Faso et Djibouti. On s'est dit qu'on est tous artistes, on s'est dit qu'on est Burkinabé, on est Africain. Burkinabé égale à Djiboutien, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, pas de panique. Et vous, Siriki? Oui, bon, depuis l'aéroport, l'accueil même, je savais qu'on était dans de bonnes mains. J'ai senti vraiment Djibouti depuis l'aéroport, avec l'accueil même. Non, vous êtes vraiment, chapeau à vous, vous êtes accueillant, vous êtes gentil. Merci. Oui, c'est bien ce qu'ils ont dit, l'accueil. Déjà, quand on t'accueille bien, c'est déjà bon. Ouais. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Donc, on se sent chez nous depuis quand on est arrivé. Voilà. D'accord. Suki et Siriki, qui a rencontré qui et comment se forme le team Suki, Siriki et Fatih? Ah, déjà. Déjà. Bon, on va commencer d'abord par Fatih. Ouais. Djiboutienne, Djiboutien. Ouais. Fatih, déjà, au départ, c'est une jumelle. Elles ne sont pas à distance. Ça dit, tu ne peux pas les distinguer, sa sœur et elle. Ouais. Donc, quand elle était petite, quand je chicote Fatih, je croise. Je vous raconte une histoire vraie. Quand j'ai chicoté Fatih, qui était trop provocatrice, elle aimait provoquer quand elle était petite. Je chicote Fatih, je croise sa sœur jumelle. Pour moi, c'est la même. Quand je frappe, je bastonne, elle dit, c'est pas moi, c'est l'autre. Ça, c'est Fatih. Donc, ce qui veut dire que depuis longtemps, que Fatih, moi, on se connaît. D'accord. Après, ensuite, c'est Siriki. Siriki, j'ai connu d'abord son grand frère avant lui. Si vous avez regardé le Royaume d'Abou, un feuilleton qui passait, le Royaume d'Abou. Voilà, j'ai connu son grand frère avant lui. Son grand frère est un grand musicien, est un grand scénariste, est un grand comédien aussi burkinabé. Voilà, donc, à travers lui, je voyais, j'apercevais celui qui est un peu. Voilà, mais c'est juste bonsoir, bonjour. Mais le Royaume d'Abou fit vraiment le tremplin là où lui et moi, on a beaucoup échangé. On a joué ensemble quelquefois. Voilà, et tout le temps, quand on tournait, moi j'ai l'art de taquiner les gens. J'aime taquiner, je suis trop taquin alors. Donc je taquine, c'est lui qui tout le temps. Et le réalisateur, sinon l'alentour même, ça faisait rire. Du coup, il a dit, je vais faire un film, Les deux villageois. Et comme ça a commencé. Et paf, il y avait un Sénégalais qui était au Burkina, qui nous appelait nous deux, les Bobo Diouf. Mais on ne comprenait pas. Et souvent, c'est lui et moi, on est là, c'est un moment de galère. Où il n'y a pas à manger, on ne sait pas comment faire. Ils nous appellent les Bobo Diouf, ça nous a énervé. On dit, toi là, arrête de te foutre de nous. Tout le temps, tu nous appelles Bobo Diouf là, ça veut dire quoi? Il dit non. Et lui, il a remarqué, lui, c'est lui et moi, on est tout le temps ensemble, mais on ne s'entend jamais. C'est pour dire, avant même Bobo Diouf, c'est lui et moi, c'était tout le temps querelle. Mais on finit, on fait une seconde, on ne se parle pas. Et paf, il me dit, viens à partir. Ou alors, c'est moi, je lui dis, allons à la maison. Donc pour lui, les Sénégalais sont comme ça. Ils se suivent deux, ils s'entendent jamais, mais ils sont tout le temps ensemble. Donc ça fait Bobo qui est dans la ville où on a tourné le Bobo Diouf, Bobo Durasso, et le collet Diouf qui fait Bobo de Diouf. Voilà, les Sénégal. Djouf qui réussissent. Bon, c'est comme il y a les Djouf à Bobo Djoulasso. Voilà, il y a les Djouf à Bobo Djoulasso. Voilà. C'est comme ça que c'est parti, les Bobo Djouf. Voilà. Et la jumelle, Fatih, oui, qu'est-ce que tu rajoutes? Oui, comment a été votre rencontre, toi et Siriki et Suki? C'était pas facile, mais je peux dire que c'était... Ah oui, les deux ont fréquenté ensemble. Hein. Oui. On était dans la même école. On était dans le même établissement. On était dans le même établissement, dans le même collège. Oui, mais disons pour Suki, apparemment ce qu'il a dit, c'est trop vrai. Voilà. C'est vrai parce que j'étais jumelle. Nos papas ont travaillé. Tu es jumelle, tu n'étais pas. Moi, je suis jumelle. Ah. Et ma soeur jumelle, elle vit, elle est là. Pas de différence. Non, pas de différence. Voilà. Donc, Suki, comme il a dit, me connaît depuis mon bas âge. Depuis mon bas âge,
C'est vrai que je provoquais et puis on était dans la même cité. Chaque fois, j'étais bastonnée par lui. Mais comme c'était l'enfance aussi, Dieu sachant faire les choses après, on s'est retrouvés. Et je peux dire que c'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà, il y a Dieu dedans. Mais d'un côté, c'est grâce à eux. Parce qu'avec plein d'encouragement, avec le gros cœur que j'avais, et puis maintenant ça va, je me dis que vraiment, je ne fais que leur dire merci. Voilà. Et Ziriki? Bon, tout ce qu'il a dit, et puis c'est tout est... Voilà. D'accord, Ziriki. Le rôle de Suki et Ziriki dans Bobo Diouf sont le seul rôle que vous incarnez ou vous avez d'autres productions que vous avez participé en tant qu'acteur, réalisateur, deux à deux ou seul à seul? Beaucoup de films. Beaucoup de films. À notre actif, plus de 30 films. Hein. Oui. Plus de 30 films. Il y a des longs métrages qui ne passent pas forcément à la télé, sur le grand écran plutôt, les salles de ciné et même des films de compétition. Mmh. Voilà, nous avons joué dans beaucoup de films. Voilà. Donc, c'est pas seulement. C'était Bobo Diouf. C'était d'abord le Royaume d'Abou. Le Royaume d'Abou. Après le Bobo Diouf. Mmh. Ensuite, il y a Kolo et Solo. C'est genre le même duo, mais pas les mêmes tenues. Voilà. Ça aussi, ça fait succès, surtout en Afrique de l'Ouest. Et si vous étiez le réalisateur ou bien seulement les acteurs? Kolo et Solo, lui, il a participé à la réalisation. À la réalisation. Voilà. Oui. Parlez-nous de Bobo Diouf maintenant. Bobo Diouf. Et comment vous étiez sélectionné en tant qu'acteur? Ça a été très simple, hein, Sérigny. Bon, comme il vient de le dire, parce que le film, c'était les deux villageois. Hein, voilà, et le réalisateur s'est inspiré sur nous deux. C'est ce qu'on faisait là. Donc, c'est autour de nous deux qu'il a créé deux familles. Les Bobo Diouf et les Bobo Diouf. Voilà. Le casting, ça a été très facile. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Royaume d'Abou. Le Royaume d'Abou, vous allez remarquer, c'est toujours les mêmes acteurs qui jouent dedans. Donc le casting a été fait comme ça. Et puis bon, chacun a... Fatih était rapporteuse dans le Royaume d'Abou. Celui qui était un particulier, hein? Voilà, un particulier dans... Le Royaume d'Abou. Après ça, non, j'ai tenu la perche aussi. Voilà, la perche aussi. Ouais, j'ai fait la perche. Moi, c'est la lumière et la réalisation. Ouais. Voilà. Et moi, j'étais aussi un vendeur de poissons dans le Royaume d'Abou. Ouais. Le casting a été très facile, puisqu'il a fait au moins 2 ans avec ces mêmes comédiens. Donc, pour faire le casting, ça a été très facile. Dès qu'il a fait écrire le scénario, il a dit « Ah, toi, tu vas prendre ça. Tu vas prendre ça. » Effectivement, il y avait déjà une complicité. Mm-hmm. Il y avait déjà une complicité, avant même le tournage de Bobo Diouf, il y avait déjà une complicité forte entre nous. Donc c'est ce qui a facilité vraiment le Bobo Diouf. Cousin, lui et moi peut-être, éloignés, un truc comme ça dans la même zone. Dans la même zone quoi. Voilà. En quelque sorte, les Bobo Diouf, on travaille toujours en famille. Voilà. Jusqu'à présent, nous restons toujours une famille. Voilà. Mais sinon, en réalité, il y a cousin, mais éloigné. Éloigné. Voilà. Lui, les chèvres, moi je suis... Non, moi je suis... Moi je suis mouton, et lui les cabris. Donc... Alors, quant à Fatih est aussi la femme d'un de mes amis, très très proche, qui est aussi animateur à la radio. Voilà. Fatih, est-ce qu'il y avait, parmi les épisodes de Bobo Diouf, est-ce qu'il y avait une scène en particulier qui vous a plu, qui vous a marqué? Presque toutes les scènes, parce que je m'y sentais dans la peau, donc je n'avais pas de difficultés. Donc presque toutes les scènes me convenaient. Oui, c'est rôle. Des fois, quand j'arrive sur le plateau, c'est pas tous les jours qu'on est de bonne humeur. Voilà. Des fois, moi, je viens sincèrement dire, elle fait pas exprès, elle joue. Son rôle, mais quand elle joue avec moi, elle rit de moi, des fois ça me fait mal. Des fois, surtout si je n'ai rien en poche. Des fois non. Je vais peut-être vite dévancer. Ouais. La scène de Fatih qui m'a beaucoup plu. Ce jour-là, c'est la première fois que je vais parler de ça. J'ai coulé des larmes. C'est le jour où son mari l'a renvoyé de chez lui et elle est venue. Elle pleurait avec... Les enfants que vous avez vus, ce sont ses enfants. Ces enfants ont grandi maintenant.
disons cet enfant. Ouais. Elle est arrivée en pleurs, elle fait venir les enfants là. Les enfants là ont tellement bien joué. Ouais. Avec elle, sa façon de faire, c'était tellement beau, ouais, j'étais tellement beau, content. Et dès que les sacs ont été lapidés par le mur, ça fait un jeu, ouais, ça fait une atmosphère où vraiment elle faisait pitié. Oui, oui. Est-ce que vraiment vous aimez le métier secrétaire de direction? Mais ils étaient contre à chaque fois. Tu le disais, non, moi je suis diplômée avec mes compétences. Oui, mais pourquoi pas? Oui. Mais ils étaient contre à chaque fois. Ils étaient contre avec mes compétences. Oui, avec toutes les compétences que j'ai. Je pensais même que depuis ce matin, peut-être Madame la ministre de la Culture allait au moins me céder la place. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu une secrétaire vraiment. J'ai dit, mais il faut que je patiente d'abord. Non, elle a mon plus coup de, là, ça non, va venir après. Elle a plus de compétences dans ses expériences. Voilà. C'est expérience dans compétences. C'est tout, en même temps. Mm-hmm. Explique-moi un peu, moi, je ne comprends pas. C'est les compétences dans les expériences. Voilà, ah, ok, d'accord. Non, je réfléchis. Moi, je ne dors jamais dans mon bureau. Je réfléchis. Mm-hmm. Je réfléchis. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, je vous invite de regarder certains épisodes sur Bobo Diouf. Hey, Fatih, tu es sûre que ton lari va venir? Maman, il a promis de venir me chercher ce soir. Hein? Mais vraiment, je suis impatiente de le connaître. Plus impatiente que moi, maman, tu verras, quand il sera là, il est sans façon. Mais est-ce que je ne vais pas aller me changer? Pourquoi faire? Maman, n'exagère pas, toi aussi. Hein? D'accord. Tu verras, je te dis qu'il est sans façon. Tu pensais qu'elle était chez son mari? Oui. Hein? Mais où voulais-tu qu'elle soit? Elle était bel et bien chez son mari. La preuve est là. Bon, de toute façon, on ne m'écoute jamais ici. Débrouillez-vous. Voilà. Hé, hey, Ala, dépêche-toi de sortir, c'est quoi? On va finir par être en retard, là, Sérigui. Ah, mais qu'est-ce que tu fous, là? Mais Sérigui, dépêche-toi de te mettre en tenue de travail. Ça veut dire quoi, ça? Hé, hey, vas-y si tu veux, toi. Moi, je ne pars pas là-bas. Mais... attends, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? C'est nouveau, ça, Sérigui. Tu ne veux pas aller travailler maintenant? Tiens, je ne fais plus le boulot de manœuvre. Ce n'est pas un petit pied de pied qui va me commander? Non. Et Allah, Sérigui, écoute, regarde. Ça, là, c'est temporaire. Hein? Toi, tu sais que si t'entends le mur dehors, là, quoi, c'est très mauvais pour nous. On n'a même pas d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Hey, fais ce que tu veux, moi je ne bouge pas, c'est tout. D'accord, il n'y a pas de problème. Moi je vais partir, parce que moi je ne veux pas de problème. Bonne journée. Suki, Zeriki et Fatih, pouvez-vous nous donner un avant-goût du spectacle et plus d'infos aux Djiboutiens? Cause. Bon, tu sais, il y a des gens, moi j'ai remarqué, il y a des gens, quand ils goûtent un peu, ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus, ils sont rassasiés. Venez. Venez seulement. Oui. Venez au... Si vous venez là, même s'il n'y a pas l'argent là, ils n'ont qu'à venir à crédit. Après, on va les rembourser. Mmh. Voilà, tu prends l'argent, c'est ton voisin, tu viens. Mmh. Après, on te rembourse. Après, le spectacle, on rembourse. Non, moi, je propose même que l'entrée soit gratuite. Sortie payante. Hein? Oui. Non. L'entrée gratuite. Mais et l'argent des pâtés de sous... Entrée gratuite. Oui. Et puis sortie, il paye. Non. Entrée payante, sortie gratuite. Non, non, non. C'est mieux. Cousse. Comme ça, là, les gens vont pas. Non. Cousse, c'est écoute, mieux, toi, tu sais, toi, tu comprends pas vite.
C'est ça. Il faut l'expliquer longtemps. Il faut qu'on t'explique longtemps. Voilà. Tu vois ce qu'on va faire. Oui. Moi, je pense que c'est mieux qu'on invite tout le monde à rentrer gratuitement. Oui. En sortant, ils payent. Et à cause. Tu sais, je suis idiot, mais je ne suis pas bête. Non, mais attends, oh, tu dis. Moi, je te dis que c'est la meilleure solution. En fait, quand on va dire gratuit, les gens vont venir beaucoup. Oui. Ils vont penser que c'est fini. Oui. Mais non, on met la police devant. Vous payez. Dans nos couilles. Non, tu es trop malin. Non, ce qui est fort. Ah bon. Je ne vous coupe pas la parole, mais je pense que bien avant qu'on ne puisse continuer l'émission, on aurait quand même profité de dire un petit bonjour de passage à nos frères burkinabés qui sont là, qui sont devenus des Djiboutiens, qui sont des Africains. Kafo, Nyanako, Salamu alaikum, Ambalma Mounou Signibi, Ankara Bakele, Ankara Fakele, Abela Djeninissou. Et qu'à fois, il y en a quand bien, en mignon fait, à Ubamba, à Fanakana Fangado, en Abarara. Merci beaucoup. Moi, je vais parler la plus belle langue du Burkina. M'sambi, sans vendre, j'ai tapé, ni Wakato. Bangeti, à Siriki, à Fati, ni Mam, ton Fabi Kane, nan de Miamba. Ton nan bon, ça me tient, Wusso, tu te never bangé, tu ton surnom, à Taba, ton surnom, Afrique. Non, taba. Donc, réunis. Spectacle, la paix, les 5, les 6, les 8, les 9. Voilà. Y'a un moment, mec. Ah, y'a un mec. Aïe, aïe, n'abode. Voilà. Voyez. Sortez nombreusement. Voilà. Sinon, parlant du spectacle, voilà. En tout cas, on invite toute la population. Si c'est possible, tout Djibouti n'a même pas sorti. Voilà. Tout, non, le vieux, la vieille, tout le monde, tout grand-père, monde. Tout le monde, venez. Parce que, arrivé aujourd'hui chez Madame la Ministre, nous avons compris que Djibouti, c'est multicolore. Je veux dire, pas couleur tout comme en péjoratif, pas péjoratif, mais multicolore en culture. Oui. Et que nous voulons venir aussi apporter notre touche à la culture djiboutienne. Et inviter tout le monde à venir parce que déjà il est prévu des masterclass où nous allons recevoir des comédiens aussi d'ici ou des jeunes qui veulent aussi évoluer dans le domaine, dans l'humour, que ce soit dans la comédie. Voilà, tout ça. Donc nous les invitons à venir et qu'ils viennent sans hésiter. Ils ne vont pas le regretter. La porte voilà. Est grande ouverte pour eux. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça même. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. C'est qu'elle dit là. C'est ça. Atakbir. Allah Akbar. Voilà. Pas de différence. daawadayaal iyo dhageystayaal zugay zirikii fatiyo xini yiraahdeen soo dhawaada ku soo dhawaada spectacle-ka inni wadaan bisha 5-teeda waxa weeyaan guriga umada bisha 6-deeda waxa weeyaan saaliinka bisha 9-keegan waa archive nationalka moins de 23 ans labada cishe horena daani lima eegayo soyez le bienvenu voilà on dit moins de 23 ans marhaba marhaba moins de 23 ans ceux qui ont 23 ans en allant là pardon venez les 5 et les 6 voilà. Voilà, parce que moi j'ai un appareil là. Il va venir m'arrêter à la porte. Si tu as 20, si tu dépasses 23 ans, tu viens, sinon ça va sonner. Donc, tu ne passes pas. Voilà. C'est un détecteur d'âge. Voilà. Est-ce que le Djiboutien vous inspire? Ou autrement dit, si Soukézri qui est fait, il a été des Djiboutiens, comment est-ce? On est des Djiboutiens. Déjà, Djiboutiens. Et puis, en plus. Non, mais, c'est, depuis hier, je suis en train de dire que je vais réfléchir. D'accord. Voilà. Marie, c'est ça, non, on nous a donné des. On a donné des bâtons de mariage là. C'est lui, elle n'est pas bien. Ah. Elle te rappelle tes enfants du village. Et celui du village, j'ai beaucoup vu. Hein. Bon, quand on change de pays, on change de femme. Bon, souvent, mais seulement que toi-même tu es en train de faire quelque chose que moi ça ne me plaît pas. Faut pas rire comme moi, tu ris trop. Non, si tu ris comme ça, là, les gens vont penser que c'est toi qui es fatigué. Faut pas copier mon rire là. Ensuite, vous avez parlé d'inspiration.
C'est mon constat. Hein. Ils sont tous des comédiens, les Djibouciens. Oui. D'abord, ils ont une façon de te voir. Hé, Souké, c'est qui? Alors, ça va? C'est qui? Ça, c'est déjà comique. Pour nous, ça nous fait rire. Ils sont tous des comédiens. Ouais. Hommes, femmes, tous. Ouais. Et ça fait plaisir. Est-ce que Souké et Ziriki et Fatih ont d'autres projets dans le futur? Prochainement, faudrait dire, est-ce que Fatih... D'accord, je reprends. Est-ce que Fatih, Souké et Ziriki ont d'autres projets dans le futur? Normalement, la suite de Bobo Diouf va venir. Et il y a aussi d'autres, plein d'autres tournages. Une série, probablement un long métrage policier. Voilà. Pourquoi pas? Ça sera avec un grand plaisir. Voilà. Votre mot de fin, Ziriki? C'est toi. Mot de fin? On invite le public à sortir. Non, Ziriki, elle a dit mot de fin. La fin, là, ça veut dire quoi? On invite le public à sortir. Elle a dit mot de fin, j'ai fait. Ah, mot de fin. Oh, mot de fin, j'ai oublié. Voilà. F-I-N, c'est ça. Elle a dit F-I-N. F-I-N. Voilà. C'est ça. Nous sommes notre docteur, mais nous, on ne consulte pas. Et le médicament, on vous le donne. Oui, gratuitement. Voilà. Vous payez peut-être pour la consultation, mais l'ordonnance. Non, c'est pas gratuit. Médicament là, non, c'est gratuit. Alors donc, on vous invite à venir, on va faire le show ensemble. Voilà. Oui, mon dernier mot, je n'ai pas de dernier mot. J'ai plein de choses à dire. Je ne vais même pas finir de dire. Donc, je vais demander à toute la population djiboutienne de faire le déplacement massivement pour qu'on puisse s'amuser. C'est vrai qu'on dit que Fatih pleure. Non, je ne pleure pas. Depuis que je suis à Djibouti, je ne fais que rire. Donc, ce rire-là, il faut qu'on se la partage. Donc, vraiment, vous êtes tous invités. Djiboutiens, Africains, Burkinabés, tout le monde, sans exception. Voilà, les vieilles mères qui sont là. Si vous avez des habits sales, en tout cas, ça seulement, je ne suis pas... Non, madame la ministre a dit qu'elle a plein de linge comme ça. Hé, elle n'a pas dit ça. Si c'est ça, moi, je ne vais pas travailler. Non, mais tu vas travailler demain. Non, mais moi, je ne suis pas venu pour ça. Ici, on n'est pas allergique à la poussière. Fatih. Depuis l'aéroport là-haut, attendez. Hier, à l'aéroport là-haut, qu'est-ce que madame la ministre a dit? Ah. Rendez-vous tous le 6. Fatih n'a pas menti. Hein. Et... Fatih n'a pas menti. Depuis qu'on a assis là, ouais. Elle est devenue Fatih. Sa jumelle, on dirait. Elle rit seulement. Je ne comprends même pas. Et puis, non, j'ai remarqué quelque chose ici en Djibouti. Depuis l'aéroport jusqu'à là, on est assis là. Je n'ai jamais croisé de vilaine femme. Il n'y en a pas. Donc, c'est les hommes qui sont vilains. C'est les hommes qui sont vilains. Ah, moi, je n'ai pas dit, c'est toi qui as dit. Ah, je vous dis. Ah, mais Ziriki, si c'est comme ça, là, comment moi je vais faire avec mon bala? Ah, si tu vas. Ton bala, déjà, depuis le Burkina, là, n'est même pas joli. Même si tu trouves un vilain. Je ne veux pas de ces balas-là. Ah, ok. Ah, bala d'ici, non. Bala de Djibouti. Non, il faut choisir. Il y en a. Il y en a plein. Déjà, les techniciens, là, il y a plein de balas dedans. D'accord. Mais il ne faut pas prendre lui-là. Lui, il est comme Ziriki. Il est mince. On tient à remercier d'abord la télé, madame la ministre. La télé. Madame la ministre, la télé va venir. Voilà. Maintenant, c'est quoi? On a commencé par quoi même? Madame la ministre, oui, madame la ministre. La télé.
Madame la ministre. D'accord. Parce qu'on va clôturer avec la télé. Non, donc, si tu ne sais pas, il veut dire que Madame la ministre a fait venir la télé. C'est ça. Et la télé vous a télévisé. C'est ça. Oui. Et vous avez dit ce que vous voulez dire. Voilà. Pour faire comprendre aux gens qu'il y a un spectacle. C'est oui. D'accord. Qu'on est content d'être Djiboutiens. Tu as vu que souvent je suis bête, mais je ne suis pas méchante. Non, mais tu sais, des fois tu réfléchis un peu. Hein. Voilà, voilà. Donc, merci à madame. Oui. La ministre. Oui. Ouais. Merci aux techniciens. Merci à toi aussi également. Oui. Merci de nous avoir reçus chez toi, sur ton plateau. Oui. Merci à tout Djibouti. Ouais. Ouais. À où on est là? Oui, c'est ça. Ah oui. Bibliothèque. C'est le cerveau. C'est ce que j'ai dit. Bibliothèque. Bibliothèque et Archives Nationales. Voilà, Bibliothèque et Archives Nationales. Voilà. L'émission, c'est. Il va checker. Aad baan ugu mahadcelinaya martida sharafta leh maanta garabkayga fadhida. Fati, Suke, Isriki, aad baad u mahadsantihiin. Je vous remercie. Sidoo kale waxaan aad nigu celcelinaynaa annagoo isku duuban dhammaan. Haday noqoto NPC, haday noqoto Ministère de la Jeunesse et de la Culture, iyo idaacaddaba waxay u hoggaansan yihiin, mar kastay heegan u yihiin, showga ay ni qaban doonaan saddexdan marti ay nala jooga. Bisha shanteeda oo guriga ummadda ah. Bisha lixdeeda oo saliinka ah, bisha sagaalkeega oo ah Archive Nationalka, moins de 23 ans maalinta saddexaad, labada cisho kalena waa free weeyaan da'da lama eegayo, ha moogaanina, ha ka maqnaanina, bilowga rentreega waa bilaash, sortiga lacag baa la qaadayaa, sidii nili yidhaahdee. Markaasi waxaan leenahay ha moogaanina, ha ka maqnaanina, ciroolihii caana nuugba dhammaan soo wada xareeya. Merci beaucoup. برنامج كان يوضح شكل انتاس من الريد اليهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي